Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Jésus est roi des rois, Alléluia. Jésus est roi des rois, Alléluia. Jésus est roi des rois. Jean. Hey, frère André. Waouh, c'est comment? Ça va? Ça fait un bail là, dis donc. Oui, je suis là. Te vois en pleine joie et... C'est comment? Je vais bien. Qu'est-ce que tu deviens? Oui, je sautais pour prêcher l'évangile. Et toi, comment va la famille? Ah, la famille se porte bien, ça va, on se bat. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Tiens, s'il te plaît, tu as les nouvelles du frère Pierre? Pardon? Frère Pierre? Le frère Pierre est décédé, il y a de cela peut-être 2 ans ou 3 ans. Quoi? Oui, comme je te dis là, tu n'étais pas au courant. Jesus. Waouh. Je suis vraiment désolé, j'étais choqué ce matin, gars. On a perdu le frère Pierre. On l'a perdu. Il y a de cela 3 ans. Oui, allô, monsieur Camden. Oui, c'est le partenaire. Oui. Juste pour notre causerie de la fois dernière là. Je ne sais pas comment vous êtes en train de générer ce business-là. Ok. Ok, à vous autant. Merci beaucoup. Ce n'est pas le frère Pierre ici. Frère Pierre, hey! Oui! C'est comment? Non, ça va. Comment? Tu fais quoi maintenant, mon frère? Bon, moi je suis un missionnaire, je prêche l'évangile. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je te vois... bien t'habiller, souriant, galant. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, je suis content de savoir que tu es missionnaire, tu prêches l'évangile. Le Seigneur est en train d'œuvrer dans ma vie. J'ai également eu le même appel missionnaire comme toi. Mais les situations de la vie m'ont fait me pencher, m'incliner de cet appel-là. Frère, je ne peux pas servir le Seigneur maintenant tant que j'ai ce tas de problèmes qui me suivent derrière. Mais je vais te le dire, parce que tu es mon ami. Mon frère, actuellement là, comme je te parle ici, j'ai 8 frères et sœurs derrière moi. J'ai mes parents, dont la situation financière pour le moment s'est diminuée. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je loue un grand appartement. Mon frère, présentement là, mes parents ne s'en sortent pas. Ils ont dépensé tout leur argent pour m'envoyer à l'école, puisque je suis l'aîné parmi les frères, et ils comptent sur moi. Présentement, là, j'ai un diplôme. Je suis ingénieur en bâtiment. Dois-je laisser tout cela pour porter la Bible et prêcher l'évangile, mon frère? Qui va nourrir cette grande famille? Qui va nourrir tous ces gens? Comme je t'explique là maintenant. Qui va le faire? Plus la belle famille que je n'ai même pas citée. Mon cher frère, c'est ça qui m'a fait esquiver cet appel. Peut-être, quand ça va finir, je vais revenir comme toi. Mais pour le moment, voilà ce que j'ai fait, cher frère. C'est très dur pour moi. Je te dis. Ok, frère Pierre. Toutes ces charges que tu portes, moi je l'ai également. J'ai aussi une charge sur moi. J'ai une femme. Des enfants. Une belle-mère. Un beau-père. Tout cela. Mais... la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, femme, enfant, beau-père, il dit qu'il va s'occuper. J'ai essayé et le Seigneur est fidèle et il est bon. Et c'est lui qui s'occupe de ma famille. Et c'est ça aussi. Tu vas voir la bonté et la fidélité de Dieu. Frère Jean, tu parles bien. Mais cette même Bible que nous lisons nous demande d'honorer nos parents, c'est-à-dire ton père et ta mère. Et selon ma compréhension, en honorant mon père et ma mère, je pense de souvenir à leurs besoins. Parce qu'en prenant même soin de mes petits frères, je rends la joie, je donne la joie aux lèvres de mes parents. Je pense que c'est comme ça, mon frère. Ou tu en penses autrement? Ok, pensez-y. Pensez-y. Comme je t'ai dit, dépose toutes ces charges sous le Seigneur.
il va s'occuper de ta famille. Frère Jean, j'ai l'impression que tu parles bien, mais je ne suis pas convaincu. À plus tard, prie juste pour moi. Peut-être plus tard, je vais le faire, mais pas maintenant. J'ai des choses à gérer là, franchement. Merci beaucoup. Ok, que Dieu te bénisse. Merci. Mais garde-moi dans ta prière. Merci. C'est ça qui l'empêchait de servir librement le Seigneur. C'est ce qu'il me disait. Je suis surpris vraiment que tu me dises aujourd'hui qu'il est décédé. Oui, on a perdu le frère Pierre. On l'a perdu. Frère André, oui, si tu as l'opportunité de servir l'éternel Dieu, ne laisse pas passer cette opportunité. Saisis-la! Saisis-la! C'est le conseil que je te donne. Frère Jean, tu as compris. Le Seigneur est en train de me répondre là maintenant. Je suis dans une situation qui ressemble à la situation du frère Pierre. Ah bon? Comme il t'expliquait. J'ai la famille. J'ai ma famille qui compte sur moi. J'ai des petits frères exactement comme lui t'a expliqué. J'ai mes parents qui comptent sur moi. Mais je suis en train de réfléchir depuis, qu'est-ce que je dois faire, le service de Dieu là, il faut la faire, qu'est-ce que... Frère, je pense que Dieu est en train de me répondre aujourd'hui. Je suis vraiment, je bénis Dieu pour notre rencontre aujourd'hui. Seigneur, merci pour notre rencontre. Seigneur, merci parce que tu réponds. Seigneur, je m'engage maintenant à te servir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. En passant, mon frère, tu es allé où comme ça? Hey, j'ai sauté là, j'ai un rendez-vous pour aller prêcher l'évangile. Je ne vais pas prêcher l'évangile dans le quartier qui est devant toi. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Non? Je ne sais même pas, je n'ai même rien. Ah bon? Oui. Gloire à Dieu. Tu as quelques traités là? Oui, j'ai les traités. Puis, ok, merci beaucoup, frère. Vraiment. Oh, Père, merci parce que tu réponds. Je suis vraiment désolé pour la situation qui est arrivée à Pierre. Non. C'est comme c'est une situation... Le Seigneur a utilisé cette situation pour me sauver. Ça me fait mal au fond de moi-même pour ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui devient maintenant? La famille. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire pour la famille. Lui-même non plus. Le service de Dieu. Non, Seigneur, merci parce que tu viens de me sauver. C'était une leçon personnelle.